On va tester en premier lieu l'arrêt. Donc je clique sur arrêt. Je force arrêt à 1. Voilà, si vous voyez, j'ai arrêté mon moteur. Même si je relâche l'arrêt, voilà, j'ai le moteur est toujours arrêté. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, continuons notre formation du logiciel Twiddle Suite, logiciel de programmation des automates Twiddle de Schneider Electric. Jusqu'à maintenant, on a vu comment télécharger, installer le logiciel, l'ergonomie et comment manipuler avec la partie configuration et la partie programmation. Donc, on est arrivé à faire des exercices au niveau du logiciel. D'accord? On va commencer par un premier exercice que je vais vous présenter. Comment faire un programme en ladder du démarrage moteur Insense. Donc, comme vous voyez, j'ai créé un petit tableau que je vais vous présenter les variables que je vais utiliser au niveau du programme avec ses adresses physiques. D'accord? Donc, premièrement, on a la variable marche. Bien sûr, pour un bouton pour faire une marche d'un moteur, un bouton d'arrêt, une entrée défaut et une sortie de commande marche. Voilà. Donc, pour les trois premières variables, ce sont des entrées que je vais adresser pour son i 0.0, la première 0, et je vais glisser pour adresser les autres. Donc 0.0, 0.1 et 0.2. Les trois entrées physiques que je vais utiliser. Pour la commande marche, c'est une sortie. Donc je vais adresser pour son Q 0.0. Maintenant j'ai créé mes variables. On passe maintenant au logiciel. D'accord? Donc je vais lancer le logiciel Twiddle Suite. Voilà, je vais créer par exemple un programme que je vais nommer exercice 1. Je vais cliquer sur créer. Pour la configuration matérielle qu'il me donne le logiciel par défaut, pour moi, je vais faire un petit exercice en simulation. Donc, je n'ai pas besoin de modifier la configuration matérielle. Je clique directement sur la partie programme. Voilà. Maintenant, je vais créer mes symboles. Mes symboles que je viens de créer au niveau du tableau que vous voyez. D'accord? Pour la première variable, j'ai marche avec l'adresse pour son i 0.0. La deuxième, c'est arrêt avec l'adresse pour son i 0.1 et défaut avec l'adresse pour son i 0.2. Pour les sorties aussi, je vais accéder au tableau des sorties. Je vais créer une variable commande de sortie. Cette variable de commande de sortie, elle va aller directement, par exemple, au contacteur de commande de marche du moteur. D'accord? Donc, pour la partie programmation, je clique sur appliquer et je crée une section. Voilà. Le programme de démarrage moteur, on commence toujours par les défauts. D'accord? Donc ici, j'ai la variable défaut inversée. Donc si j'ai pas défaut, je peux démarrer. Si j'ai un défaut, donc il va interdire l'action de démarrage. Voilà. Le bouton arrêt, il est toujours inversé, bien sûr. Voilà. Et je vais ajouter un bouton de marche. Voilà. Et je vais ajouter ma sortie qui s'appelle commande. Commande de marche. Automatiquement, lorsque je saisis le nom de la variable, il met son adresse, soit physique, soit mémoire interne. D'accord? Qu'est-ce qui reste pour cette chaîne de commande? Il reste un maintien de cette commande. Donc, je dois ajouter un contact en parallèle avec le marche qui s'appelle commande, la même commande.
Donc, si je clique, si je n'ai pas de défaut, je n'ai aucune action d'arrêt, je clique sur le bouton marche, automatiquement j'excite la sortie de commande et avec son maintien. J'attends toujours soit un défaut pour arrêter ou une action d'arrêt. D'accord? Donc, lorsque je termine ma programmation, toujours je clique sur analyser le programme. Voilà. Ici, si vous voyez la bande à gauche sur la section en vert, donc je n'ai aucune erreur au niveau de mon programme. Ici, j'ai les avertissements d'exécution. Voilà, j'ai un avertissement d'exécution. Aucun démarrage en run n'a été sélectionné. Voilà, parce que je suis toujours en mode programmation. Voilà, j'ai vérifié, aucun problème. Donc, je vais essayer de lancer le simulateur. Voilà, lorsque je lance le simulateur, il m'affiche ces deux fenêtres. Une fenêtre de visualisation des états des entrées physiques du processeur et une fenêtre pour mettre en exécution le programme ou le mettre en arrêt et voir son statut. Est-ce qu'il est en erreur ou pas? Donc, je clique sur le bouton exécuter. Il m'affiche, vous êtes sur le point de lancer l'automate. Pour ce faire, cliquez sur OK. Sinon, cliquez sur annuler. Donc, je vais lancer le simulateur. Voilà, mon simulateur, il est fonctionnel. Donc, pour simuler ou voir le fonctionnement de mon programme, je dois ajouter une table d'animation avec ses variables pour l'affectation ou écrire ou lire l'état de ces variables. Comme vous voyez, je peux lire l'état des variables au niveau du programme. Comme vous voyez, le défaut et l'arrêt, il est actif. D'accord, en vert, toujours en vert, et en gris, il n'est pas actif. Donc, je dois faire une action de marche pour que je puisse simuler mon programme. Donc, je clique sur le bouton table d'animation. Comme vous voyez, la table d'animation. La table d'animation, elle est vide. Donc, je peux cliquer et je peux mettre directement les adresses. Pour son i.0.0, il met son nom utilisé au niveau du programme. Point 1. Pour son i.0.3 et pour son q.0.4. Voilà la commande. Donc, ça c'est. Pour son i.2, c'est le défaut. Donc, pour simuler notre programme, donc, si vous voyez, on n'a aucun défaut. Donc, la série de le contact de défaut, il est actif. On n'a aucune action d'arrêt. Donc, il est actif. Lorsqu'il est colorisé en vert, donc, il est actif. Donc, on attend l'action de marche, donc, ou le bouton de marche, l'entrée marche est à 1 pour qu'on puisse faire actionner la commande, la sortie commande. Donc, comment on fait? On clique sur la variable marche et on clique sur forcer l'objet à 1. Voilà, on a forcé l'objet à 1. Si vous voyez, la commande est actionnée. Voilà. Si je relâche, je clique sur forcer à 0, j'ai relâché le marche. Le maintien, il maintient toujours la commande à 1. Pour que je puisse arrêter mon moteur, donc je dois cliquer soit sur marche ou je dois avoir un défaut. Donc on va tester en premier lieu l'arrêt. Donc je clique sur arrêt. Je force arrêt à 1. Voilà, si vous voyez, j'ai arrêté mon moteur. Même si je relâche l'arrêt, voilà, j'ai le moteur est toujours arrêté. Je vais faire un autre démarrage du moteur. Voilà, j'ai démarré mon moteur. Maintenant, je vais tester l'action défaut. Voilà, je vais mettre défaut à 1. Voilà, si vous voyez, j'ai arrêté mon moteur. Voilà, mettre à 0. Voilà, mon moteur est arrêté. Pour déforcer toutes les variables, donc je clique sur relâcher tout. Les forçages, voilà, j'ai maintenant l'état réel des entrées-sorties.
Je peux voir aussi l'état de mes entrées et sorties au niveau du simulateur du logiciel. Par exemple, si je clique sur marche, voilà, si vous voyez la sortie de commande 0, Q0.0 est actionnée. Voilà, je ne peux pas voir l'état des entrées numériques ou tout ou rien parce que j'essaye de forcer les variables au niveau juste du programme. L'état de ces variables, je peux animer l'état de ces variables, mais en cas réel, si j'ai une action réelle au niveau de ces entrées-sorties. Donc, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous allez apprendre avec moi quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tout nouveau tutoriel publié sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques sur les commentaires. À bientôt.